Bonjour les amis, bienvenue sur Parc ATM. Vous l'aurez peut-être reconnu, mais je me trouve dans le plus beau lieu des parcs d'attractions. Je suis de retour au parc Astérix plus de 4 ans après ma dernière visite pour découvrir la fameuse nouveauté 2023, Toutatis. Annoncé en 2018 pour une probable ouverture en 2021, le nouveau launch coaster Intamin prévu au parc Astérix, qui entre-temps prendra le nom de Toutatis, le nom du dieu gaulois dans la BD, ouvrira finalement avec plus de 2 ans de retard, le 8 avril de 2023. Il s'agit du coaster le plus haut et le plus rapide de France, avec une vitesse atteignant les 107 km/h et une hauteur de 51 mètres, qui est la hauteur maximum permise au parc Astérix pour des niveaux de législation locale. Le tout sur un parcours de un peu plus de 1000 mètres de long, et qui atteint même les 1300 mètres de long avec les allers-retours. C'est un coaster qui possède 4 launches. D'abord un petit launch juste après le départ en gare qui permet de faire la première partie du coaster, dans lequel il y a déjà une première petite inversion, un premier petit 0G stall qui est une inversion très sympathique. Quelques virages à gauche et à droite et on arrive sur la zone de launch où on va d'abord être propulsé en avant pour monter quasiment jusqu'au dessus de la bosse. Donc c'est là qu'on se dit un petit peu avec un peu plus de puissance, un seul launch et ça aurait pu passer, avant de retourner en arrière, reprendre de la puissance, aller sur la fameuse flèche complètement verticale, ce qui est toujours un élément très sympathique, particulièrement si on est à l'arrière du train, avant de enfin reprendre une dernière fois de la vitesse dans une quatrième propulsion avant de passer sur le top hat ralenti à sa hauteur. C'est un peu la mode en ce moment sur les coasters, comme c'est le cas sur Ride to Happiness par exemple. Après, on a une chute inclinée à un peu plus de 100 degrés, et ensuite on va sur un parcours très nerveux, très au ras du sol, avec un zéro du stall très grand. On a vraiment le temps de voir qu'on a la tête à l'envers et de pendouiller sur nos lap-bars. Quelques tournants, une dernière inversion passée très rapidement, et enfin, ce qui est pour moi le seul point négatif du layout, les 2 dernières petites bosses à airtime juste avant les freins finaux, qu'on passe beaucoup trop rapidement et qui sont beaucoup trop proches les unes des autres. On tape contre le siège, ce qui n'est pas une sensation très agréable. C'est un coaster moderne, donc qui joue beaucoup sur les airtime avec énormément de ceci. J'en ai compté moins que sur Honda ou d'autres coasters, mais ils sont vraiment très présents. Et vraiment pour moi, le plus gros point positif de Toutatis, c'est d'être vraiment un mélange de tout ce qui se fait dans les meilleurs coasters modernes à l'heure actuelle. On a du launch, on a des airtime, on a des inversions, c'est doux, aucune vibration, rien à signaler, c'est puissant mais pas trop, donc c'est quand même ouvert à tout le monde. Je ne suis pas un fan de base des éléments shuttle, donc les allers-retours, mais ici je trouve que ça apporte un petit plus au coaster et ça lui permet d'avoir une durée assez convenable, parce qu'avec un seul launch ça aurait été quand même assez court. Concernant la zone de Toutatis qui est nommée Festival Toutatis, j'avais un peu peur du résultat que ça pouvait donner en vrai après avoir vu quelques photos de la zone en construction. J'avais un peu peur d'un aspect un peu cheap avec ces bâtiments de taille relativement basse, ainsi que une véritable forêt de pylônes, mais qu'il faut cumuler ceux de Toutatis avec ceux de la trace du bras située juste au-dessus du layout. Mais finalement, j'ai été étonnamment surpris une fois que je suis arrivé sur le parc. C'est une zone très jolie, très grande, qui regorge de détails. On est à peu près dans le même style que les zones les plus récentes de la CDA, notamment à Walibi Belgium ou à Walibi Rhône-Alpes. On y trouve aussi un flat Zamperla, un Nebula, un peu au-dessus de la colline, comme ça. C'est une attraction qui rend très bien, rien qu'au niveau visuel, même si on ne fait pas la file forcément pour la faire. Dans cette zone, il y a aussi restaurants, snacks, boutiques, enfin tout ce qu'il faut pour créer une zone complète de parc. 2 petits points négatifs, tout d'abord le restaurant de burgers qui est très cher, on a payé 45€ pour 2 burgers et une frite. Ainsi que la zone est très bruyante entre le grand nombre de gens qui s'y trouvent, les cris et surtout le bruit de la chaîne de la trace du Oural, le Bobset Mac qui est maintenant incorporé dans la zone. Ça fait que c'est vraiment pas agréable d'y rester longtemps.
Avec toutes les qualités que je viens de vous énumérer, Toutatis va probablement monter très haut dans mon top coaster. Et un autre coaster qui est monté très haut dans mon top, c'est Berkshire des Skarnan à Hansa Park. Vous pouvez découvrir la vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller voir, vous allez être fort probablement très surpris. À la prochaine pour une nouvelle découverte sur Park FM.